Cher Nicolas, j'ai bien reçu ta lettre et je te remercie de me l'avoir envoyée. Il faut que je t'avoue n'avoir jamais reçu de liste aussi remplie de rêves. Tu m'as demandé de faire de toi un artiste, mais sache que ce ne sont pas des choses que je peux déposer au pied de ton sapin. À 28 ans, tu es probablement le plus grand des enfants qui m'envoient leur liste. Rassure-toi, je pense avoir trouvé le moyen pour toi d'obtenir ce que tu souhaites. Fouille un peu dans ce colis. Maintenant, cesse d'attendre qu'on te donne ce que toi seul peux t'offrir. À bientôt, le Père Noël. Je vous annonce officiellement l'ouverture de mon calendrier de l'Avent vidéo sur YouTube. Ouais, bonne ou mauvaise nouvelle, vous allez me voir tous les jours sur YouTube dans une nouvelle vidéo. Ce calendrier de l'Avent va vous réserver de nombreuses surprises, des conseils sur la photo, des conseils sur Instagram, des cadeaux, de nombreux cadeaux, des conseils sur un peu tout. Ce mois-ci sera vraiment rempli de plein de choses différentes et j'espère que j'ai été assez original dans tout ce que je vais vous proposer ce mois-ci. J'espère que j'ai assez travaillé pour. J'espère que ces 2 mois de travail acharné m'auront servi et vont surtout vous servir à vous. Ça fait presque 2 mois que je travaille comme un acharné pour vous créer 31 vidéos, mais pas seulement, c'est pas juste créer 31 vidéos, c'est trouver 31 idées, c'est trouver 31 idées originales, des cadeaux, de l'organisation, du montage, du filming. Et aujourd'hui, je peux dire que aujourd'hui, j'ai programmé l'intégralité ou presque de mes vidéos sur la chaîne. J'ai fait les 3/4 du travail, donc j'espère que ça va vous plaire parce que, croyez-moi, ça m'a pris du temps, de l'énergie et beaucoup de temps. Et beaucoup d'énergie. Puis beaucoup de temps. Et beaucoup d'énergie. Bref, vous l'avez donc compris, dès demain, vous avez une nouvelle vidéo qui vous attend. Je ne vous dévoilerai pas à chaque fois le contenu de la vidéo du lendemain, sinon ça n'a aucun intérêt. Chaque jour sera une nouvelle surprise. Et sachez que j'essaierai d'en partager un maximum sur mon profil Instagram. J'essaierai de vous avertir un maximum sur ce contenu. Bref, vous l'avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Rendez-vous chaque jour sur ma chaîne YouTube pour découvrir une toute nouvelle vidéo, des surprises, des conseils, etc. Vous ne serez pas déçus parce que chaque vidéo promet quelque chose de nouveau. On en vient au principal de cette vidéo, ce que vous attendez tous. Forcément, dans un calendrier d'Avent, il y a un jour en particulier qu'il ne faut pas louper, un jour en particulier que l'on attend tous. Il s'agit du jour de Noël, bien entendu. Et pour Noël, sachez que je vous réserve un gros jeu concours qui démarre dès aujourd'hui. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous devez absolument faire le nécessaire pour pouvoir participer et peut-être gagner, accrochez-vous bien, un séjour de 2 jours pour 2 personnes au ski en montagne dans les Hautes-Pyrénées, dans la station Luce Ardiden. Le cadeau que je vous offre comprend une nuit dans cet appartement, un appartement T2 situé à Luce Saint-Sauveur, à seulement quelques minutes de la station de ski, avec une navette qui vous prend devant l'appartement si jamais vous n'avez pas la possibilité de monter en voiture. Bref, je vous offre également 2 forfaits ski d'une journée pour 2 personnes. Du coup, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucun partenariat avec la station de ski ou quoi, parce que je paie de ma poche et je vous offre la nuit dans l'appartement de mes parents qui est en location. Pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est Noël et Noël, ça fait plaisir d'offrir. Bref, si ce cadeau vous plaît, et j'espère que c'est le cas parce que je pense que c'est quelque chose qui tente tout le monde pendant la période d'hiver. Donc si c'est le cas, si jamais ce cadeau vous plaît, comment participer pour pouvoir gagner ce cadeau? Vous allez voir que c'est très simple, mais c'est original, ça change de d'habitude.
je vous demande de m'envoyer une vidéo avec votre téléphone portable, ça fait très bien l'affaire. Vous vous filmez en train de souhaiter un joyeux Noël face caméra et vous me l'envoyez par email à cette adresse. Attention de bien respecter l'orthographe. Si jamais vous vous trompez, je ne recevrai jamais votre vidéo et donc jamais votre participation. Donc tout simplement, il vous suffit d'envoyer joyeux Noël comme ceci. Joyeux Noël. Vous voyez, c'est très simple, ça prend une poignée de secondes, ça prend 3-4 secondes à se filmer, à l'envoyer et pouvoir participer et peut-être tenter de gagner de séjour au ski avec les forfaits qui sont avec. Sortez de votre zone de confort, je vous demande pas grand chose, je vous demande de vous filmer 2-3 secondes en train de souhaiter joyeux Noël face caméra. Vous pouvez être original, vous pouvez le faire avec un bonnet Noël comme moi, vous pouvez le faire en pyjama, vous pouvez le faire en tenue de travail, vous pouvez le faire dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, en train de manger, dans le métro, dans le train, dans l'avion, ce que vous voulez, vous pouvez le faire en famille, avec votre chien, avec votre ami, avec votre femme, avec votre mari, avec qui vous voulez. Faites ce que vous voulez, souhaitez-moi juste un joyeux Noël face caméra, vous me l'envoyez par email à l'adresse suivante. Une condition très importante à respecter pour pouvoir participer à ce jeu concours, il faut absolument être abonné à ma chaîne YouTube, sinon vous ne pourrez pas gagner. Je vérifierai chacune des personnes qui ont envoyé la vidéo si jamais ils sont abonnés à ma chaîne. C'est vraiment la seule condition, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite, abonnez-vous. C'est l'histoire d'un clic, c'est pas grand-chose pour vous et ça représente beaucoup pour moi. Je vous explique pourquoi je vous demande de m'envoyer une vidéo face caméra en train de sauter un joyeux Noël. Tout simplement parce que Noël, c'est un moment chaleureux, un moment convivial, un moment familial. Et c'est un événement pour lequel c'est essentiel de le partager à plusieurs. Et nous n'avons pas tous la chance, en fait, de partager ce moment à plusieurs, de partager ce moment familial. Parce qu'il y a des familles qui se déciment, il y a des couples qui se séparent, parce qu'il y a des amis qui s'éloignent, parce qu'il y a des relations qui se détruisent, malheureusement. Ou il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir du monde autour d'eux, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui peut être là pour passer un moment ensemble. Et le jour de Noël, j'ai décidé de faire un montage vidéo, de faire une vidéo compilation de l'ensemble de vos vidéos envoyées où on se souhaite tous un joyeux Noël, parce que ça va nous permettre, en l'espace de quelques minutes peut-être, d'être ensemble et de partager ce moment, de partager ce jour tous ensemble, en se souhaitant chacun les uns les autres un joyeux Noël et pouvoir se dire pendant quelques minutes, ben on était ensemble, on a passé Noël ensemble autour de cette vidéo. C'est pas grand chose, je sais que ça ne remplacera jamais des familles, ça ne remplacera jamais des personnes qui sont parties, ça ne remplacera jamais des amis, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, mais c'est peut-être l'opportunité de se sentir ensemble pendant l'espace de quelques minutes et de passer un petit moment sympa et de pouvoir voir la vidéo et se dire bon ben c'était sympa quoi. Bref, j'espère que vous serez nombreux à vous prêter au jeu et j'espère que je serai dans la merde en me disant putain j'ai beaucoup trop de vidéos, j'ai beaucoup trop de vidéos à ajouter, à compiler, je suis dans la merde, je pourrais pas tout monter. J'espère être dans cette situation et dans la situation de me dire je ne peux pas dormir une seule minute du mois de décembre parce que j'ai trop de vidéos à trier, trop de vidéos à assembler pour pouvoir faire cette vidéo. Donc allez-y, prêtez-vous au jeu, même si dans le fond vous allez faire ça pour pouvoir gagner le séjour, faites-le parce que c'est original, ça va changer un peu vos a priori sur vous-même, de s'entendre, de se voir. Vous allez voir, ça va faire du bien une fois que c'est fait, c'est envoyé, boum, c'est réglé. Et on se donne rendez-vous après le 25 décembre pour voir ça. Et puis je suis sûr que ça va être très bien, mais ça ne dépend que de vous si jamais vous faites l'effort de m'envoyer cette vidéo. Voilà, j'espère que ce cadeau vous plaît, j'espère que cette idée vous plaît, j'espère que tout l'ensemble de ce calendrier de l'Avent vous plaît, parce que je me suis vraiment plié en quatre pour pouvoir vous proposer ça. Et croyez-moi, je n'ai pas fini, il faut que chaque jour je prépare les vignettes YouTube, que je prépare certaines vidéos qui ne sont pas encore terminées, il faut que je prépare la programmation, que je m'assure que tout est ok, que tout est réglé. Et croyez-moi, ça va pas être de tout repos, donc j'espère que tout ça, ça vous plaît, j'espère que ce cadeau aussi vous plaît. Donnez-moi tout votre soutien en vous abonnant à ma chaîne, en me suivant sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Montrez-moi que vous appréciez mon travail, que vous appréciez tout ce que je fais pour vous et tout ce que l'on partage ensemble, parce que le partage c'est dans les deux sens. Je n'en dis pas plus, cette vidéo est déjà très longue donc je ne vais pas plus loin. J'espère que vous aimez votre nouveau Père Noël. Je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo, vous l'avez compris, et vous apprendrez au moment de la vidéo de quel sujet elle traite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les participations sont ouvertes dès maintenant. Je vous annoncerai le 16, la fin des participations. Vous avez donc jusqu'au 16 minuit pour participer. Bonne chance à tous. N'hésitez pas à partager ce jeu concours, à partager chacune de mes vidéos. Faites tourner, faites ce que vous voulez. Soyez généreux, soyez de bonnes personnes. Un clic pour vous, c'est beaucoup pour moi. Allez, bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao.